Et bonjour tout le monde. Jour de deuil aujourd'hui, évidemment qu'il fallait qu'on joue à Dragon Ball. J'ai envie de dire, s'il y a bien un jour où il faut faire du Dragon Ball, regarder du Dragon Ball, lire du Dragon Ball, parler de Dragon Ball, ben c'est aujourd'hui en fait. Du coup, on est avec Volvi. Bonjour, c'est Volvi. Je ne sais pas si je dois te demander si ça va bien, parce que je sais que ça te touche encore plus que moi. Ça va pas de fou. Tout à l'heure, en particulier, j'ai lu des trucs qui m'ont un peu... J'ai lu le trade, il était absolument magnifique. Le message de... ça vous intéresse un peu, allez voir le message de Katsura, qui était un grand ami de Toriyama, et notamment Katsura Kira, qui est la première fois où on voit les patrouilleurs galactiques, dont est tiré Jaco, ensuite dans Dragon Ball Super, mais c'était de base un projet des deux. Le message est poignant. Ouais. Et j'avoue que ça a fait quelque chose. Et enfin, les quelques révélations en fait, il était malade depuis presque un an, et que du coup, une des dernières personnes qu'il a appelé, c'est Masako Nozawa, la voix officielle de Sangoku, et qui lui a demandé de prendre soin de Goku, de prendre soin de Goku, et qu'elle lui a dit jusqu'à mon dernier souffle, Goku sera protégé avec moi. J'avoue que sur le moment, j'ai chialé ma rage. J'étais en pleurade. Petit taquet sentimental, je suis d'accord. Quand j'ai lu ça, j'étais là, ouais, putain. Bon. Ils sont forts ces japonais. Hein. Ah, nous on va fêter dignement sa mémoire en faisant ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire jouer aux cartes. Ouais. On va jouer à Dragon Ball. On a gagné la première game de façon honteuse, c'est-à-dire la personne en face est partie. J'ai lancé et voilà. Donc on doit gagner une game pour passer platine. On tombe contre un match-up que j'ai pas perdu depuis un moment. Broly, c'est un match-up que maintenant je maîtresse bien. Elle est bien cette main, dis donc. En plus, on est contre quelqu'un qui a un niveau assez faible, donc on va voir. Le matchmaking dans le jeu n'a pas beaucoup de sens. Mais... ils ont fait le choix de te dire t'as des adversaires vite plutôt que t'as des adversaires plus proches de ton niveau. Et ben, je crois que je vais mettre. J'ai envie de mettre Whis parce que du coup, je vais faire Tenshinhan, into ça pour tuer les 5000, into le 3, et puis on va avancer doucement. Du coup, est-ce que c'est pas le T2 ? Ah, je sais pas, quand il awaken, il tape Broly, lui. Ouais, c'est vrai qu'il tape Broly, lui. Hein. C'est peut-être un peu tôt, mais c'est vrai que des fois... Alors, contre Broly, c'est pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 fois où les deux que tu m'as offert, j'ai fait T4, la doublette. Dans le jargon, on appelle ça le coup du tracteur. Hein. Ah, ce Goku, dans ce Goku-là, il est très bien. Oui, dans ce Goku-là, mais honnêtement, hein, j'aimerais en avoir 4. Non, pas 4, 3, je pense. 3, c'est le bon équilibre. Oh, le salaud. C'est lequel, celui-là? Celui qui s'active. Et il a le Paragus. C'est la vraie sortie. Attention, Volvi, c'est la vraie sortie, c'est le gros Broly. C'est le Broly qui rigole pas. C'est le Broly qui nous dit, attention... Après, c'est juste un Paragus. Hein. S'il te tape 2 fois dans la tête, c'est plaisir. Ah, s'il me tape 2 fois dans la tête, c'est la fête, parce qu'on a la réponse à Paragus. On a la petite carte promo. D'ailleurs, il y a d'autres moyens où on est stuck à en avoir qu'une, du coup, nous. Cette carte promo. Bah, apparemment, pour l'instant, on est un peu stuck. Hein. On est stuck. Hein. C'est la stuckance. Hein, Alors, your opponent is thinking. Non, c'est bon. Your opponent nous tape... Attends. Ah, mais il a activé alors qu'il en avait pas, c'est ça? Ouais, je sais pas. Ah bah oui, de ta drop. Bah t'as pas de drop, monsieur. Tape-moi, claque un chat moyenne, et ensuite on fait comme ça. Il a pas attaqué avec. Très bien. Oh, elle est pas mal, elle. On peut juste la jouer et taper. Oui. Du coup, c'est le petit T1 qui va partir. Hein. Je pense. La classique. On commence par la petite tape, on en a deux. On en a deux, c'est bien sympa. Et du coup, alors on la joue, c'est sûr. Est-ce qu'on part à l'attaque? On part à l'attaque ou pas? Moi, je pense que j'irai. Y va, toi? Moi, je pense que j'y vais parce que je veux le faire... J'ai envie d'awaken vite, en fait, c'est sûr. Tu peux y aller tranquillement sur un tour.
Mais prochain tour, faudra. Ah, y mais aller. Le prochain tour, justement, l'idée c'est je pose lui, j'éclate son Paragus, et là je déclenche la foudre. En fait, j'ai très très envie qu'il me waken, parce que si j'arrive à avoir la curve. Et ensuite je touche, je touche un Krillin ou un truc, je me waken sur 4. Et alors là, c'est la fête à la saucisse. En fait, j'y serais allé au moins avec ses 18. Ouais. Parce que s'il veut faire quelque chose, il est obligé d'utiliser les cartes de sa main. Et voilà. Non, du coup, il avait Nappa. Oui, mais ça, c'est pas grave, tu vois, tu la défends. Bah, je la défends avec ma main. Alors que là, tu vois, il me tape, je pose mon Sangoku 3, je waken, je suis très content. Hein. Oh là là, oh ouais, waken moi, frérot. Ah, oh, il a pas fait le frérot, il a pas waken. Ah, il veut pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on met en drop? Bah du coup, les deux promos, c'est jamais de la vie. NC18, sinon, on commence à virer ça, parce qu'on a plus trop besoin, en fait. On a de la curve, on va jamais la jouer. Hein. Là, maintenant, on a T3, T4, ah, T5. Ah non, je pense qu'il peut être utile à un moment. Si sur T4, tu peux faire C18 plus ça pour, par exemple, tuer un petit Chamoyan avec le Goku, c'est pas mal. Hein. Donc tu mets une C18 pour l'instant? Moi, je mettrais une D18, ouais. Ok. Alors, bon, on continue d'attendrir la viande. Double T5 contre Broly. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on enlève Nappa ou est-ce qu'on enlève Jean-Jacques 15 000 avec le 3? Je pense que tu vas avec le 15 000 d'abord, en fait. Ah, tu veux taper là? Ouais, parce que il va pas sacrifier un de ces trucs sur le terrain, je pense. Tu veux le faire passer ce tour-ci? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai vraiment très très envie de me waken pour faire mon double 4 au prochain tour. Mais ouais, peut-être qu'il faut. Hein. En fait, je serais allé voir la carte que j'ai d'abord pour décider ensuite. Parce que si j'ai un Krillin ou quoi, je peux y aller comme un âne. Et si j'ai pas Krillin ou un truc du genre, j'ai quand même envie de me taper. Ouais, c'est vrai, mais j'aurais mis Sten parce que si tu décides d'y aller, en fait, une fois que t'as joué le Goku, c'est un peu trop obvious. Mais c'est, ça se questionne. Après, je veux le Waken maintenant parce que au prochain tour, après, ils montent directement à 5. Ouais. Allez. Est-ce qu'il prend? Il prend. Ouais, là, ton Goku, il va mettre de la pression. Tu tues le truc, tu mets 20 000. Mais du coup, 20 000, 25 000. Lequel je tue? Alors, je prends la carte, c'est sûr. Un petit super combo. C'est jamais perdu. Lequel je tue? Je me demande si c'est pas Nappa. Comme ça, je peux taper avec ma 20 000 un peu tranquille. Le Chamoyan, je peux le gérer avec ça. Ouais, ça dépend. Moi, je pense que ce serait Nappa, effectivement. Allez, c'est Nappa. On tryhard un peu, c'est pour passer platine. J'ai jamais fait. Donc évidemment, on tape d'abord, parce que comme ça, s'il prend le Waken, bah, on a une attaque de plus. Ah, si celle-ci, il la part, on dit, bah d'accord, tu vois. Ok, bah tu vas parer la prochaine, garçon. Hein. Ah, parce que là, c'est... Parce que deux PV, au bout d'un moment, moi j'ai des copains quand t'as 2 PV, hein. J'ai deux copains cheveux bleus. D'habitude avec Volvi on n'est pas très cheveux bleus, mais on peut faire un effort. Hein. Tu sais ce qui manque à ce jeu Volvi? Oh, il met 10 000. Ouais. Mais c'est pas s'il va mettre. Bah, il va weekend. Bah ça dépend peut-être. Ah, tu penses qu'il le weekend pas? Ok, il le weekend pas. C'est alors j'avoue que j'ai du mal à saisir le principe de tu t'awaken pas en utilisant une carte. Surtout qu'en plus, tu veux awaken pendant le tour adverse avec Broly. Parce que si tu awaken pendant ton tour, tu as une énergie en rest mode. Bah, c'est ça. Et au final. Ouais, là, peut-être pas de... Mais du coup. En fait, t'as jeté une carte pour piocher une carte. C'est oui. Pas. C'est vrai. Mais alors, du coup, j'en reviens à ce que je disais. Tu sais ce qui manque à ce jeu, Volvi? Il manque les giga full art que Runeterra a sur les cartes. Je pense que s'il y avait ça. Je raterai des tours à regarder certaines cartes. Ouais, mais comme c'est un produit qui existe en physique, c'est compliqué. Je suis d'accord. Mais je pense que genre lui, ou lui avec l'environnement, ou des trucs comme ça, genre celui-là en grand, juste tu me le fous dans le ciel, hein, mais juste une aura de ouf, je pense sincèrement que ça peut être la folie. Oh, j'aime bien ces tours un peu nuls, là. On va pas se mentir, ça a l'air d'être un starter deck en face, hein. Ça tape même pas avant, allez tranquille. Bah sinon il t'appelle Tenshinhan, peut-être qu'il a envie de taper le Goku. Mais du coup ça a pas de sens d'avoir Awaken. Là on est... C'est... Alors vraiment il y a de tout.
Hein. Là, on n'a pas préparé la vidéo en avance, on n'a pas... Et clairement, le sauver, ce Goku. Hein. J'ai très envie que tu consommes. Vas-y, mets un plus 10 000, comme ça, moi, je lâche un super combo. Oh ouais, plus, vas-y, continue. Vas-y, balance. Balance, balance, balance-toi, j'ai envie de te dire. Oh là 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 là, Volvi. Bon, super combo, c'est sûr. Et 5000, hein. Et du coup, c'est Jean-Jacques qui part, hein. Ouais. Ou est-ce qu'on dit on va pas se waken? Oh, il a pas l'air... Attends. Bah, pour l'instant... Il y a pas de cheveux moyenne dans ses drops. Pour l'instant, tu vas pas t'awaken, je pense que c'est un des qui joue avec le waken, hein. Je sais pas, parce qu'il y a pas de cheveux moyenne dans ses drops, donc ça, j'en ai pas forcément besoin, hein. T'as pas de chamoyane, mais bon, ça serait utile, tu vois. C'est avoir deux fois ce truc alors que pour l'instant t'as rien pour te faire des dégâts. Mais si je top deck un Krillin, si je pioche un Krillin sur mon attaque, c'est instantanément la tétrafête. Mais tu joueras le Krillin plus un Goku et après tu seras sur tes Goku 5. Du coup, moi je garderai de la flexibilité. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait pas de chamoyane dans ses drops, j'ai pris un peu la confiance. Bon, t'es une Shinan contre Broly Awaken. Je vais pas lâcher 5000 pour sauver un combo 10 000. Hein. Ouais, c'est... Malheureusement, t'es une Shinan. Merci beaucoup. Tu as fait ta part du travail. Tu vas aller te reposer. Et là, le 15 000, si tu veux m'attaquer tête. Dommage. J'aurais aimé. Oh, c'est pas mal ça. C'est une carte ça, dis-moi. C'est pas mal. En effet, on en met peut-être un là. Hein. Ouais. Ouais, je pense. On commence par une petite attaque dans le Raditz. Oh là. Petit Raditz pour commencer le repas, c'est toujours sympa. Hein. La pioche. C'est pas fou, c'est pas fou. Bim, 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 bim. Alors. Je sais pas, est-ce que t'as pas envie d'avoir... au pire, tu pourras... C'est pas juste Gohan ici. Oh, si, c'est Gohan, parce qu'il est obligé de parer les deux. Et selon ce qu'il fait... déjà, bon, on a deux attaques de base et aussi on peut juste Roshi la 20 000 pour continuer. Hein. Ouais. Là, l'idée c'est on le met à 2, il a plus de cartes, il va arrêter de piocher. Y a aussi le fait que on sait jamais, mais s'il en a, la Gohan ça se fait pas tuer par la super rare 40 000 qui tue que des T3. Ça, c'est un truc, j'ai commencé à mieux jouer autour des choses. C'est-à-dire contre bleu, j'ai arrêté de jouer Gohan parce qu'il se fait niquer par le Vegeta 5. Contre vert, j'ai commencé à moins jouer ça, mais à plus jouer Gohan, parce qu'il résiste à la super rare 40 000. Etc, etc. La super rare 40 000, c'est celle avec les deux androïdes dessus. Ça passe. Mais c'est bien, tu restes là, tranquille. Ouais, il est à deux. J'étais en train de me demander si je lui mettais le shot, mais du coup, on... Vas-y, vas-y. Vas-y, frérot. En plus, c'est bien, j'ai 10 000 pour essayer par hasard de sauver Gohan, parce que ça me dérangerait pas de sauver Gohan, lui mettre un petit shot qu'il est obligé de parer. Ça ouvre des possibles. Turles, ouais. Bon, on était contre quelqu'un d'assez basique. Mais c'est dommage, parce que du coup, ils m'ont vraiment donné le platine. Parce que j'ai vraiment galéré. Le dernier rang de or, j'ai commencé à affronter des platines et des masters. J'ai pris 2-3 sorties. Volvi, fallait avoir des mouchoirs, hein, parce que je me suis fait enrhumer. Hein. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble à partir du master ou pas? À partir du platine ou pas? Est-ce que c'est toujours le plus 20, moins 10? Ou est-ce qu'on commence à être plus sur du 50-50? J'ai aucune idée. Eh ben, on va le découvrir ensuite. Parce que c'est vrai que là, bon, j'ai toujours un win rate très très correct. Je crois que je suis à 71 ou 72% de win rate. Ce qui est pour moi très très honorable. Mais c'est vrai qu'avec le système plus 20, moins 10, normalement tu montes. Hein. Oui. Après, le palier, c'est vrai que quand j'ai perdu mon palier pour passer or, le moins 40, j'étais là en mode, ah bon? Ok, alors là il faut 40 000 pour le sauver. Alors attends, on l'écarte. Malheureusement, je pense que tu lui dis au revoir. Je crois c'est trop que. Cher, hein. Ouais, sinon faut mettre L, 35, 40. En fait, tu veux juste. Tu ouais, veux non, juste je préfère les points pour taper. Hein. Ouais, tu veux juste dropper à Goku et le. Là, ce qui m'intéresse, c'est les deux PV qui sont marqués là. Hein. Malheureusement, Gohan. Au final, Gohan, il a fait son taf. Hein. Il a fait sortir du counter. Hein. Même lui, hein, il va prendre, je crois. Hein. Ah ouh, là, il n'y a plus de carte en main. Là, c'est vraiment... Bah attends, il va prendre. Allez. Hein. Allez, c'est pour le principe. Par gourmandise. Bon, bah voilà, hein, je crois qu'on est platine. La game n'aura pas été très... très compète.
Je voulais justement. Cela, c'est vraiment le platine. Vraiment, hein, pour pas vous mentir. L'autre game, c'est je me suis log. J'ai affronté Goku Black et il y a eu écran de victoire instant. Et là, on joue contre Starter Deck Broly. C'était pas le truc le plus. Ouf. Hop. C'est vraiment par gourmandise. Mais ça me fait plaisir. Et ben ce sera pas la vidéo la plus. Hein? C'est cadeau, tu vois. Ils m'ont offert le platine. Il y a un rank floor ou pas? Genre je peux redescendre en gold si je perds de platine ou pas? Bah il faut voir. Ce serait quand même lent. T'imagines, ils te font tout le truc, tu dois gagner un VO3 et tout le bordel, et ensuite. Bim, tu redescends une game. Tu perds ta première game et tu sautes. Ah non, parce que je suis à 1220, du coup j'ai une. De quoi qu'il arrive, j'ai une game de. J'ai une game de. Voilà, ça vois le ladder où t'en es, tu. Alors attends, j'ai gagné le titre de pro. Waouh! J'ai même pas gagné des gemmes pour passer platine. Platine fort? Ah non, c'est 5! Bah regarde le ranking, pour l'instant c'est juste des mecs en god. Hein. Ouais, bien sûr, bah, le ranking il va partir de god. Ouais. Et tu veux. Qu'est-ce que tu voulais du coup? Je comprends pas. Non, mais sur. Comme si tu lançais ton rank, du coup tu vas voir combien de points ah, c'est en fait. Pour les points, pour les. Ah oui, ça y est, maintenant. C'est 50-50. Ouais. Donc maintenant, il va falloir monter. Alors, où est-ce qu'on en est? Je crois que ça va, on n'est pas trop mal. Hein. On est à 72% de win rate. On attend, hein. On attend. Je suis en train de me poser la question. Quand j'arrive à 800, est-ce que je bascule sur un double freezer? Le freezer, ça a quand même l'air très très solide. On va en parler un peu, vu que la game a été rapide. Mais freezer, c'est quand même bien bien solide. Au niveau des cartes, quand on en a deux, parce que les Golden Frieza c'est bien, et surtout lui là, lui, mais quelle carte! C'est ouf comparé aux autres cartes. Genre, lui, il faut se dire, dans le jeu, dans le starter rouge, c'est l'équivalent de Krillin, aucun sens, c'est l'équivalent de Sangoten. Vous imaginez si Sangoten en bleu c'était un 20 000, ouh, ce serait la meilleure carte du jeu. Ouais, il fait plus peur en plus. Bon, Sangoten il le sent zéro, mais. Sangoten il le sent zéro. Bah non, pourquoi tu dis ça? Ah bah en 1v1, Sangoten il le sent zéro. Bah non, en 1v1 c'est celui qui arrive en 2. Parce que lui il l'engage Sangoten. Mais non, mais les personnages, tu vois, genre Sangoten il a 8 ans, il lui pète sa gueule. Ah oui, dans le. Oui, mais Sangoten en même temps il arrive, Freezer il est mort depuis je sais pas combien de temps. C'est vrai. Mais voilà, je me pose la question, je suis ouvert aux propositions. Est-ce que vous pensez que quand on arrive à 800, bon, vous avez le temps, hein, parce que. Ah, c'était un autre truc que je voulais faire le calcul de combien de gemmes on nous donne par jour. Donc, les daily, on a 20 gemmes. Ok, bah voilà. Ça va vite, hein. Et les weekly. Alors, les weekly, je peux pas faire les autres leaders. Mais les weekly, du coup, je gagne 20. Ah non, j'en gagne plus, parce que c'est quand t'en gagnes 20, mais tu gagnes. C'est tous les 5, c'est ça? Ouais, y a un truc. Et là, du coup, t'as 10 gemmes. Donc théoriquement, tu peux gagner 40. Et après, je crois que tu fais 10, 15, 20, un truc comme ça. 5, 10, 15, 20. Bon, les weekly, ça doit être 100. Du coup, réparti sur 7 jours, tu gagnes quoi? 15. Plus 20 par jour, 80. Tu gagnes 35, 40 gemmes par jour de moyenne. Ça veut dire que, ouais, en 10 jours, tu fais 400 gemmes. Ah, ça met du temps, les 1000, hein. Bon, après, ouais, il y a la montée, hein, parce que du coup, j'ai récupéré plein de gemmes à prendre 10 gemmes à chaque fois. Il faut vraiment qu'ils nous rajoutent un petit système, là, un petit après, il y en a d'autres, mais tu vois, genre, c'est pareil, là, KO et Kart dans un match, 500 10 gemmes. Mais vas-y, file des gemmes, frérot. C'est que des 10 gemmes, c'est que des tout petits trucs. Bah, c'est surtout que j'espère que bah, ça continue et qu'en fait il y a une espèce de côté infini, quoi, parce que sinon bah, très très vite on va être limité, quoi. Bah ouais. Si vraiment les gemmes c'est 20 par jour, nous soufflâmes, quoi. Ah ouais, si les gemmes c'est 20 par jour, ça va être compliqué. Bon bah voilà, c'était la petite vidéo discussion pour passer platine.
la game n'était pas particulièrement intéressante. Le système de matchmaking fait que. Mais maintenant, on va voir. Bon, normalement, si j'arrive à maintenir 70%, c'est pas mal. Mais on va voir si au fur et à mesure que je monte, j'affronte de plus en plus de gens haut classés. Parce que c'est vrai que quand j'affronte du platine ou du master, en général, ils ont mon niveau et en général, ils ont un meilleur deck. D'ailleurs, je sais pas si t'as joué. Moi, j'ai affronté beaucoup, beaucoup de Beerus en ce moment. Est-ce que tu sais pourquoi? Je n'ai pas de... C'est quoi le... Vu, parce que je sais à quoi sert Beerus, mais moi, dans ce que j'affronte, j'ai pas l'impression que Beerus soit si fort que ça, parce que moi, j'ai toujours une majorité de vert. Bah... C'est pas le meilleur contrôle. Après, contre même contre vert, il fait des trucs bien. Tu tues très facilement le Vegeta, tu tues très facilement le Goku 5. Goku 5, il peut jamais... C'est quoi Vegeta? Le Vegeta 4. Ah, le 20 000. Tu oh, très oui, bah, ça tue... Non, mais... Enfin, les gens qui ont les cartes, ils le tuent tous. T'as le Goku aussi qui se tue assez facilement. Le Goku oui. Qui reste en... Bah, en fait, en back lane. Dès que t'as Jean-Jacques, là, toutes ces cartes-là, tu les tues facilement. Hein. Tu les tues dans n'importe quel deck, tu fais Whis Goku et on est bon. Hein. Et avec Beerus, t'as un petit avantage aussi contre Broly, c'est que ce que tu vas faire, c'est que tu vas, un, l'agresser assez fort parce que t'as un leader critique. C'est vrai. On rappelle que Broly, c'est un leader qui pioche pas beaucoup. Vu qu'il se limite après, donc quand tu t'es fait limiter le nombre de cartes en main de base, bah tu vas avoir très peu de cartes dans ta partie, ce qui pour la qualité de ta sortie est assez mauvais. Peut-être que je devrais jouer à un God Kamehameha. Beerus, de plus en plus, je l'utilise de moins en moins, c'est fou. J'ai l'impression, je parle, il écoute pas, il pense à autre chose. Non, je suis là, Après, tu as le principe que ce que Beerus va jouer, la meilleure carte de Beerus, c'est le Goku Secret. Et le truc, c'est que Goku Secret, tu as, imaginons, tu as une 30 000 sur le terrain. Un truc à 30 000, ou tu vois, une Vanilla ou n'importe quoi. Tu vas poser Goku Secret, faire le pouvoir de Beerus. Du coup, tu vas avoir une 5 000 sur le terrain. Et ce Goku, il va pouvoir aller taper sur une créature qui a un palier 5 000. Au lieu d'aller taper sur Broly qui a un palier 25. Et du coup, ça fait que tu peux pousser les dégâts dans... Tu peux pousser les dégâts dans le leader sans être sur ce palier 25. Tu tapes sur palier 5. Je vois. Bah, c'est un peu fort. Hein. C'est vrai. Tu lui mets un petit Kamehameha, t'es sur, tu vois, t'as fait ton truc, tu fais pim pam poum, tu baisses, tu fais Kamehameha, tu tapes à plus 40 000 sur une créa que t'as mis à 5 000. Oui. Tu vois, même un, comment ça s'appelle, un... Imaginons un T5, tu sais les T5 35 000, Golden Frieza, etc. Alors là, je parle pas contre vert, mais c'est pour le bien aimé, mais tout ce que j'ai, c'est un très joli couleur. Je savais pas que je l'avais. tu fais le Goku, tu baisses de 15 000, ça passe à 20. Tu fais Beerus, tu fais effet, ça passe à 10. T'attaques avec le Goku à 30 000, tu fais Kamehameha, moins 5, plus 15, tu tapes à 45 000 sur 5 000. Le mec a joué pour ça, 4 trucs, tu tapes à 45 000 sur 5 000, et tu fais un dégât si tu tues, ce qui est... Ah oui, non mais ça c'est quand t'as assez, évidemment, le Goku Secret rare il est fort, hein, ça y a pas de... Et voilà, et t'as plein de petits trucs comme ça, bah justement sur le Végétal, Goku Secret, bah il va infliger un point de dégâts, quasiment sûr. Hein. Oui, bah on attend, moi j'attends d'avoir celui-ci là en x4, parce que lui vraiment c'est la carte, j'ai l'impression dans tous les décroches c'est x4. Il est si fort. Il est bien ce Goku. Il est si fort, il est si fort. Bon, et ben voilà, on a beaucoup discuté, c'était la petite game du soir. On est platine en free-to-play avec un winrate que je trouve. C'est correct. Et ben on verra la prochaine étape, que vous voulez que je vous dise. On verra où est-ce que ça avance. Des bisous à tous. Bonne journée. N'hésitez pas à partager votre expérience sur le jeu ou autre. N'hésitez pas à partager vos codes des starter decks. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine, quand ça nous prendra de faire une petite vidéo sur Dragon Ball. Salut, salut.